Eh bien salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur God of War et nous en sommes à l'épisode 13, j'espère que vous suivez toujours jusqu'ici. On devait franchir la montagne et forcément la montagne c'est vers où pour atteindre le sommet? Eh bien c'est vers le haut et donc pour cela nous allons utiliser cet ascenseur. On a utilisé bon nombre d'ascenseurs, on est toujours pas en haut de la montagne mais comme a dit Kratos, une montagne c'est grand. Et ça, les gars, ça, c'est cool. On est parti. Je sais pas où ça va nous emmener, tout ça. On est encore trop lourd? Ouais, je m'en occupe. Je m'en occupe, fils. Bon, ça arrive. L'ascenseur, il a décidé que c'était peut-être un petit peu trop lourd encore une fois. C'est pas bien grave. On va jeter ça directement en bas. On monte à nouveau. Je sais, fils. Quand on sera au sommet, jusqu'où tu penses qu'on pourra voir? Le lac? Le serpent-monde? La maison? Nous verrons une fois là-haut. D'ici là, ouvre l'œil. C'est terrible, hein. Il pose les pires questions. Tu vois bien que ton père, alias moi-même, alias Kratos... Oh. Atreus. Ça va, j'ai simplement perdu l'équilibre. Tu sais, pour quelqu'un de si fort, tu t'inquiètes beaucoup. Ça me rend service, et ça nous permet de survivre. Sans doute, mais c'est pas une vie très amusante. On n'est pas là pour s'amuser, Atreus. Waouh! Bah je vais pas prendre, ça me sert strictement à rien. Par contre! Ok. Allez, on est parti! Ça, ça va dégager très vite. Normalement, c'est vite fait. Oh là, aucun problème. Il va pas me toucher, hein. Allez, ça dégage, hein. Je vais reprendre direct cette pierre. Ouais, je l'ai pas utilisé, peut-être utilisé pour rien, mais bon, regardez ce que la pierre m'a redonné. Un mode rage entièrement disponible encore une fois. Aucun souci, c'est rien. Considérez que c'était juste un petit embêtement. Ah, l'ascenseur a des merdes, hein. Concentre-toi. L'ascenseur a des couilles. Oh! Oh, c'est nouveau ça, ça vient de sortir dans les bacs. Oh, c'est beau ça aussi. Ok. Allez, envoie le loup. Tu sais ce qu'on dit. Oh, c'est beau. Aïe. Il a pris ce qu'il méritait. J'ai pris ce que je méritais, on a tous pris ce qu'on mérite finalement dans cette histoire. Oh, ça touche même le mec d'en bas. Allez, ça c'est pas mal. On s'en occupe sans aucun problème. C'est bon, t'inquiète pas. T'inquiète pas, fils, je m'en occupe. T'es amusant. Oui, je devrais plus m'inquiéter. Est-ce que c'est là qu'on descend? Non, nous sommes bloqués. Ah ouais. Aucune galère. Bon, les gars, ça, hey, c'est une petite formalité. J'ai travaillé à Confo. Des fois, on a des petites couilles avec les meubles. On fait comme on peut. Et jusqu'où on doit aller? Je n'en sais rien. Tu crois qu'il y aura d'autres attaques? Sans aucun doute. Oh non. Si. Alors tiens-toi prêt. Oh non, si, non, si. Tiens-toi prêt, mon garçon. Allez, est-ce que tu peux envoyer ton loup? Oh, bien joué ça. Allez, boum. Ça, c'est un coup direct dans la mâchoire. Et ça dégage. En bas, adieu. On est encore bloqué, les gars. Eh, hey, ça arrive. Ah, ah, ça c'était pas... Si je peux me permettre... Aïe, 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 aïe. Allez, ça va dégager très rapidement. Allez, ça va dégager très rapidement, c'est moi qui te le dis. Ok. Un dernier coup, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Ok. Allez, je peux faire quelque chose. Boum. Un coup sur le crâne. On monte dessus. Touchez pas mon fils. Laissez mon fils tranquille. Allez, dans ta gueule, hein. En même temps, je lui laisse qu'il mérite pas celui-là. Allez, plus le loup, c'est terminé pour lui. Allez, ça, ça dégage, on l'ouvre en deux. Je suis énervé, là, hein. Eh, les gars. Ok. C'est pas mal. Allez, ça dégage. Aucun souci jusqu'ici.
Ça, je prends. Ça, je prends. Ça, je prends. Et ça, bien évidemment, je prends. Il nous a régalé. On est bloqué, c'est rien, les gars. Je vous ai déjà dit qu'à Confo, j'ai eu des petits soucis comme ça de meubles. On faisait exactement la même chose. Voilà, il suffit de pousser un peu, serrer les fesses. Et voilà, on est reparti. Comme en 40. Et c'est moi où les pierres se cassent. Restez là, ok? Bon, j'ai plus de soins, ils sont tous partis. On dirait. C'est le pire ascenseur, hein, je reviendrai pas. Hein. On va disperser les cendres de mer. Et après, qu'est-ce qui se passera? Rien ne se passera. Nous rentrerons. C'est tout? L'aventure sera finie? Pour l'instant. Mais nous aurons beaucoup à faire. Tu avais raison sur le bateau quand nous avons coupé le dernier arbre. Tu as dit que quelque chose avait changé. C'est vrai. Et notre maison n'est plus sûre. Mais elle le redeviendra et nous continuerons ton entraînement. D'accord. C'est beau, hein. On revient au premier épisode déjà. Je ne sais pas parler aujourd'hui, je ne sais pas ce qui m'arrive. Sûrement un acte de possession. On est presque au sommet. Rien ne nous arrêtera. Toi, Atreus, et reste derrière moi. Bien fait. Ah oui, alors ça c'est fort embêtant. C'est parti. Ah! Je vous avoue que je n'étais point fait assez. Ok. Ok, ça c'est pas mal. Ok, j'ai mis ce qu'il méritait. Attention la patte. Aouh. Ah mais il a faim. Il a pas mangé plus longtemps si ça se trouve. Je pense pas qu'on va le tuer tout de suite. Ok, on va totalement le tuer tout de suite. Allez. Mais qu'est-ce que tu fais? Tiens-toi prêt. On y retourne, hein. Boum. Ça c'est fait, ça c'est dans ta gueule. Compliquer cette histoire. Ok, on va donc emprunter le tunnel qu'il a creusé. C'était intense. Tiens. D'accord. Ok, c'était totalement une bombe. C'était quoi? Dès qu'il y a contact sur le sort de quartz, ça part en bombe très rapidement. Hein. C'est bizarre, mais toute la grotte est illuminée. Ok, et si je fais ça? Ok. Est-ce que c'est ta sève? De la sève cristallisée et qui contient un pouvoir. D'accord. Appuyez sur rond pour ramasser un cristal, maintenez R2 et visez avec R1. Mais c'est tellement stylé. Hop, j'en reprends un directement. Incroyable. J'en reprends un, ça mange pas de pain. D'accord. Ah. J'arrive pas à ça, c'est fort dommage. J'ai combattu un dragon. J'ai essayé de viser ses yeux, mais je perdais toujours l'équilibre. Tu crois qu'on est chez eux? Est-ce qu'ils sont venus après le départ des géants? Ou est-ce que c'est eux qui les ont chassés? Atreus, l'air se fait rare. Garde tes questions. Respire. Oh. Oui. D'accord. Il a osé, hein. Il a osé dire l'air se fait rare. Bah après, il a pas tort, forcément. Plus vous allez en hauteur, moins il y a d'oxygène. C'est bien connu, mais quand même. C'était une manière de dire ferme ta gueule. Entendu. On dirait que quelqu'un a besoin d'aide. Oh, ça, c'est la sorcière, ça. Je reconnais sa voix. Entre mille. Ça, c'est la sorcière. Attends, Atreus. C'est Sindri. Tu peux tuer un truc aussi gros? Il faut le déséquilibrer. Je peux essayer de le distraire. Qu'est-ce que tu fabriques? On peut pas l'abandonner. Ok, bon, c'est le témoin. À droite. Tu trouves un bon angle et tu attends mon signal. Oh, il va lui mettre ce qu'il mérite, Onin. Hé, l'affreux! Par ici! Ok.
Allez, on monte dessus. Ça, c'est le God of War qu'on aime, monter sur des géants. Oh là 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 là. Bon, j'ai l'impression d'avoir tapé dans la smoule. Ok, c'était pas ouf. Ah là, là on est bon. Langue de bœuf pour la table numéro 7. Ok. Je vois pas la différence entre l'attaque légère et l'attaque lourde. En soi, l'attaque lourde met plus de temps avant de se taire, mais fait un peu plus de dégâts. Ça revient au même que deux attaques légères finalement. Je vais avoir besoin d'aide, hein. Ok. Ok. Ok, j'ai compris. Ok. D'accord, d'accord, d'accord. J'ai commencé. Hop, ça c'est dans ta gueule, hein. Ça, il a une sacrée barre de vie celui-là. Ça c'est dans ta gueule. Attendez, j'ai peut-être une idée. J'ai peut-être une idée. Ça a été fait en Australie une seule fois. Waouh! T'as des sacrés pouvoirs, toi. Allez, ça dégage. Ferme ta gueule rapidement. Aïe! Allez, ça dégage. Ça dégage. Aïe! C'est rien. Ok. Il vient dans l'arène. Ok, on va exploser ça. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est le petit coup qu'on aime. Oh, bien joué. J'ai rien pu faire. Inflige des dégâts aux griffes. D'accord, d'accord. Ok, 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 ok. Vous énervez pas. Aïe! Ouais, mais là, là, je vois pas. Je sais même pas si un bouclier peut me cover de ça. Ok. Ok. Pas grave. Waouh! Il m'a fait peur! Ok. On va reculer un petit peu. Aïe! C'est encore un nouveau coup! Voilà, je suis hyper concentré, vous imaginez pas. Hein. Et n'oubliez pas ce qu'on dit. Hein. La montagne, ça vous gagne, bordel. Hein. Allez, ça dégage. Là, j'ai fait un beau coup, là. Hein. C'était un coup de poker, j'ai fait une Patrick Bruel. Hein. Avec une paire d'as, putain! Ok, j'ai totalement chié. Aïe! Ok, on se soigne un petit peu. Allez, c'est parti, c'est mon moment. Allez, ça dégage. C'est pas mal du tout. Est-ce qu'il revient dans le game? Oh. Aïe! C'est rien. Hop, ça je prends. Aïe! C'est rien. Aïe! Mais... Oh non, il n'y a pas eu contact! Aïe! Oh, du Jésus! Aïe! Allez, mais les gars, alors tant qu'il m'a pas fait ces coups-là, je ne peux pas savoir ce qu'il peut faire. C'est pas mal. Ok. Pas mal du tout. Alors ça, c'est nouveau encore. Ah, c'est son coup préféré, celui-là. C'est vrai qu'on peut pas faire grand-chose. Ferme-la. Ah, j'ai fait le con. J'ai fait le con, si je puis me permettre. Allez, c'est pas mal.
Allez, c'est pas mal. Ok. C'est pas mal, hein. On s'en sort plutôt bien. Là, il est énervé. Hein. Là, il y a une cinématique, on n'est pas bien. On passe en phase 3. Oh non! Non, ça, c'est faible! Courez, d'où Jésus! Ça va? Oui! J'ai un plan! Tiens-toi prêt à baisser la grue à mon signal! Je sais pas comment elle fonctionne! Je ne veux pas le savoir! Fais-le! C'est pas mal ça! C'est un beau coup ça, de la part du joueur hongrois! Aïe! Son feu! Aïe! Oh non! Un coup de patte juste parce que je voulais récupérer des soins! Oh non, c'est tellement injuste, la vie est parfois injuste, je pleure. Allez, on y retourne, c'est pas grave, on n'a pas tout... Non, bah ça va aussi, frère, je viens d'arriver, je viens de débarquer dans le game. Ok. Ok. Ça, c'est dans ta gueule, hein. Mais calme-toi! Ok, ah, c'est dommage, ça casse ma statue. Ah, je m'étais protégé. Bien joué. Bien joué, mais j'ai su esquiver. Ok, bien joué. Bien joué, c'est là où il s'énerve. C'est là où il s'énerve, il faut très vite que j'aille ramasser ça. Allez, c'est beau. Ça, c'est beau jeu. Allez, viens, mon pote. Allez, ça dégage. Aïe! Allez. Maintenant! Ça, c'est beau, ça! Ok, je sais pas ce qui va se passer, mais ça va être intense! Oh oh! Ok, j'ai tout de suite compris! Regarde cette grosse pierre! Il va prendre ce qu'il mérite, hein, très clairement! Aïe! Aïe! Oh bah d'accord, ça explose direct. Allez, on va laisser peser. Le dragon, c'était dans ma liste de souhaits, ça dégage. C'est ce qui s'appelle avoir une haleine de chacal. Waouh, on a réussi. Et toi? Ah, ça alors. Mais personne n'avait tué de dragon depuis des siècles. Pas depuis la grande chasse au ver. Et si je ne m'abuse, tu as fait tout ça pour moi. Tu te trompes. Le dragon était sur mon chemin, rien de plus. Tu peux dire ce que tu veux, mais tu m'as sauvé la vie. Et ça, ça mérite une récompense. Ah, qu'est-ce que c'est? Des flèches de gui tressées, plus droites qu'Emdal et parfaitement équilibrées. Oh. Merci. Ah, je vois. Non, attends. Non, pas ça. Vous avez revu mon frère? Oui, il a dit que t'avais perdu ton talent. Oh, et que je suis égoïste? Non. J'imagine que je me soucie de l'esthétique des armes? Non. Plutôt que de leur efficacité? Que je suis prétentieux? Non. Et obtus? Maniaque? Je sais ce qu'il pense, mais je me fiche de ces insultes. Ah, brûlez ça. Je n'ai pas de temps à perdre. Non, 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 attends un peu, attends un peu. J'ai une meilleure idée. Laquelle? Il me faut une dent de ce dragon. Ok, bon, laisse-moi 2 minutes, je m'en occupe. Elle aurait pu me donner des trucs cool, tueur de dragon. Ouais, mais j'ai pas d'XP, j'ai rien. C'est dégueulasse. Yes! C'est dégueulasse, toujours. Attention en prenant cette... Oh, oh trop tard. Oh, quel massacre. Oh, c'est une catastrophe. Oh, l'odeur. Parfait, ça devrait... Oh. Il
XP 2000, dents de dragon, larmes de dragon, ça c'est incroyable. Frérot, régale-moi. Régale-moi comme jamais. Pas question de toucher ça. Simplement, tiens-la pour moi. Maintenant, frotte-la contre la corde de l'arc de ton fils. Fais-moi confiance. Atreus, ton arc. Deux passages devraient suffire. Oh, ouais, tout doux. Vous avez obtenu des flèches électriques. Lancez-les sur les cristaux à fragmentation pour détruire les obstacles en sève. Ok, pas de soucis jusqu'ici. Wow. Oh, bien sûr. Maintenant, je t'impressionne. Oh, comment pourrais-je... Oh, je vois que tu as déjà tout compris, alors c'est parfait. Non, je n'expliquais pas seulement la finesse et la complexité de mon artisanat. Non, okay. Non. Je suis à votre service. Oui. Allez, il est peut-être temps de s'acheter 2-3 petits trucs qui peuvent être plutôt cool. Donc c'est parti, amélioration de l'arc totalement disponible. Améliorer, bougez pas, l'arc sert. Eh bien, on peut le faire, on a assez d'XP, on a... Oh, ça demande énormément d'argent. Ça demande énormément d'argent, mais attention, l'arc il devient assez strong, ça. C'est fait, vous avez amélioré l'arc sert. Et de nouvelles compétences sont bien évidemment disponibles. Et en ce qui concerne l'âche, malheureusement, il faut une flamme de glace. Ça, on verra plus tard. Pour l'instant, je ne peux rien faire. Acheter pierre de résurrection, je l'ai toujours. Aucun souci, parce qu'en soi, il y avait... pendant le boss, mon gamin n'était pas présent. Il est peut-être temps, maintenant, d'augmenter ses compétences. Je sais que ça vous démange. Vous êtes là en disant, hey, B-boy, il faut que tu augmentes tes compétences. T'as de l'XP, t'as de l'argent, faut y aller. On va le faire, pas de panique. Donc, en ce qui concerne le combat à distance, à main nue, viser, appuyer sur R1... C'est pas mal, ça je prends. On a énormément d'XP, énormément d'XP. Augmente le nombre maximum de cibles à 5. Je prends. Ok, qu'est-ce qu'on a là? Enchaînez rapidement vos coups sans subir de dégâts pour charger la hache et infliger des dégâts de givre à chaque fois que vous touchez un ennemi. On prend, parce que ça a l'air méga strong. Changez de posture en marquant une pause après une attaque à la hache Léviathan. Hein? Ok, ça a l'air stylé, je prends. Eh bah les gars, ça a l'air stylé, on prend. Hein. J'ai beaucoup d'XP. Hein. C'est pour ça que j'économisais. C'est pour ça mon petit côté crevard. Attendez, parce qu'on a quand même beaucoup de choses à améliorer, telles que le bouclier. Maintenez R2 pour effectuer une frappe rageuse plus puissante. Et une zone... Oh, 4500, hein, d'où Jésus. Hein. J'ai failli faire une grave erreur. Hein. Attendez, on va améliorer son arc quand même. On va améliorer son arc parce que franchement, ça peut valoir le coup. Augmente les dégâts infligés par les flèches et au corps à corps. On prend, ça ne coûte pas plus cher de bien manger. Augmente la cadence de tir. Ça ne coûte pas plus cher de bien manger. Augmente considérablement la cadence de tir. Augmente considérablement les dégâts. On prend. Augmente énormément les dégâts. Oh là 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 là. On va prendre ça à la place. On est pas mal, hein. On est frais, comme on dit. Durée d'électrocution accrue. Ça coûte que 500. Je prends tous les trucs qui valent 500 pour le moment. Et là, vous allez voir, on va avoir cette impression d'être quasi mortel. Ok, plus de dégâts, ça coûte que 250, on prend. On se régale pour le moment. D'accord. Qu'est-ce qu'on a? Maintenant, le bouclier, peut-être, ça serait pas mal. Avec un après avoir contré un coup puissant au bouclier, on est pas mal. Et là, ça coûte combien? 3000. On va augmenter un petit peu son bouclier quand même, ça me paraît pas mal. Allez, on va prendre celui-ci. Bon! On a quasi tout amélioré, voire tout amélioré. Franchement, c'est pas mal. Encore les petits trucs à 500 francs. Hein. Je vous l'ai toujours dit, hein, ça ne coûte pas plus cher de bien manger. Et niveau XP, on est très très bien. Voilà, il nous en reste encore un petit peu. On s'est full dopé, les gars. Vous allez voir les dégâts. Pas si longtemps. Ça arrive d'être insane. Le cerf. Depuis, on a combattu des elfes obscurs, des trolls, des ogres et un dragon. J'ai l'impression qu'on est devenu invincible. Nous gagnons parce que nous sommes déterminés, disciplinés, pas parce que nous sommes supérieurs. Oui, je sais. Seulement, c'est bon de se sentir fort, tu sais. Oui, je sais. Le petit côté demi-dieu de mon fils commence à se réveiller, je pense. Quelle est cette sombrerie? Mais il va exploser celui-ci. Oh la vache, la cadence! Oh,
C'est quoi ce délire? Aïe! Ah ouais, alors ok, d'accord. Ça les rend quasi immortels, ils récupèrent leur vie instantanément. Ça va être très très chiant. Alors avance là. Ok. Il faut vraiment viser la pierre. Et voilà. Ici. Je brille. Impeccable. Ah, ça commence à me plaire. Mais c'est bizarre. Celui-là a pas vraiment explosé. Je vois exactement ce qu'il faut faire. Ah, je l'ai touché, mais il brille à nouveau. C'est parce qu'on peut le toucher deux fois, mon cher. Donc on va le monter. Et là, regardez bien. C'est un beau jeu. Ok, il fait des trucs bizarres en l'air. Ok, c'est pas mal. Je commence à prendre le coup. C'est pas mal, on va ramasser ceci. Et j'ai aussi beaucoup de choses à vendre. Oh là là, d'où Jésus, j'ai beaucoup d'argent. J'ai des artefacts à vendre de tous les côtés. Ça peut être très très cool aussi. On fera ça dans le prochain épisode, hein. Mais en tout cas, cet épisode, un boss. On s'est surboosté, franchement. Là, je sens ce gain de puissance. Aïe. Ok. Regardez bien. Ok. Et normalement, on peut faire le R3. C'est terrible. Mais c'est pas vrai. Allez, ça dégage. Ok. Je les avais oubliés ceux-là. Oh, c'est que à main nue. C'est un enfer. Ils m'ont coûté cher. Ils m'ont coûté très très cher en vie. Et ça, c'est chiant. Je peux vous le dire. Ok, on va ramasser ceci. Oh là là, c'est de l'XP, mais on obtient de l'XP, hein, c'est cool, hein. Ah, c'est bon, on a un petit peu de vie. Ok, fils. On va avoir des choses ici, je suppose. Les cauchemars, c'est un enfer. Hein. Ok. Oh là là, cette vitesse de dégâts. Allez. Oh là 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 là. Oh là là, c'est monstrueux. Oh ah. Aucune chance. Aucune chance de survie. Ok. Aucune chance de survie. Alors, nous avons enfin un nouveau coffre. Et ça, c'est cool. Pour cela, il faut qu'on examine un petit peu tout cela. Bon, j'ai ça qui va me permettre d'accéder déjà. Hop. Ça marche. Yes, ça a l'air de marcher. Parce que si je fais ça... C'est très beau, ça. Oh, c'est du génie. Oh, c'est du génie. Ok. Oh là 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 là, je prends plaisir. Je prends plaisir, une fresque, c'est parti. Atreus, dis-moi. Il y en a un autre. Celui-ci s'appelle Ymir. Maman a essayé de me raconter son histoire, mais je crois que j'étais trop petit. Ce sont des géants qui sortent de ses aisselles. Je crois que c'est Odin qui le poignarde. Au-delà du mythe, 106 d'XP et ma mère par ici. Alors je vous cache pas, il est déjà l'heure de se lâcher. Et ça me fait chier parce que j'étais bien avec vous là. J'étais super bien moi personnellement. Hop, tu vas m'allumer ça s'il te plaît. Attends, qu'est-ce qu'on a là? D'accord, ok, c'est déjà allumé. Donc on a fait un saut, on va essayer de trouver les sauts. Et on va s'arrêter là. Ou peut-être les derniers sauts. Il y en avait un qui était assez loin finalement. Ok, on va regarder vraiment partout. Des cauchemars. Ou j'ai pas le temps les gars. Yeah.
Ok. Allez, ça dégage. Moi, je veux les sauts, les gars. C'est pas que vos combats me fassent chier, mais... c'est que les sauts qui m'intéressent pour l'instant, d'accord? Un petit effort, les potes. On a ici quelque chose à dire. Allez, ça dégage. Un maximum de vie pour un maximum de plaisir. La technique s'améliore. Ça devient un monstre. Ça devient un monstre, c'est mon fils. On a ici... ouais, ici c'est rien, ici c'est une petite erreur de parcours. Ok, on a fait un saut qui est quasi le dernier. Les autres doivent pas être bien loin. Mais alors pour les trouver... Déjà, on va le jeter là. Oh, j'ai pas envie de vous lâcher maintenant. Hein. Ah. Ok. Tiens, Lisa. Atreus, par ici. Oui, père. Ok, je crois savoir où est le dernier. J'ajoute ça dans mon journal. Je crois savoir où est le dernier. Ah, non. Ok. Je crois savoir où est le dernier. Ça toucherait d'ici? Non. Ça, ça change pas de couleur. J'en ai pas besoin pour l'instant. Ça, on va l'ouvrir. Où est le dernier, les gars? Ah! Putain. Dernier, il est juste en face. Ok. Allez, ça dégage. On prend. C'est de la vie, c'est de la rage, c'est du plaisir. Le dernier là. Et on a détruit. On peut s'arrêter là. N'oubliez pas de j'aimer le commentaire. Je vous fais des bisous. A bientôt tout le monde pour la suite de nos aventures. On est toujours pas en haut de cette montagne, mais on y est presque. On va y arriver. A très vite tout le monde. Ciao ciao. Et c'est une nouvelle pomme. 2 sur 3, encore une, et notre vie est juste resplendissante. A très vite tout le monde.